Vim, c'est un éditeur de logiciels qui a été créé en 2006, qui propose une plateforme de sauvegarde et de restauration des données pour la gestion des données dans le cloud. Nous sommes 4000 collaborateurs dans le monde, présents dans plus de 160 pays avec notre réseau de distribution et nos collaborateurs. Nous réalisons un petit peu plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires chaque année et nous avons 400 000 clients qui aujourd'hui ont adopté et utilisent nos solutions. Vim propose une plateforme logicielle agnostique de protection et de gestion de données dans le cloud avec cinq grandes capacités. La première, la plus essentielle, une capacité de sauvegarde et de restauration instantanée et intelligente pour protéger les environnements de travail. Deuxième grande capacité, une capacité de mobilité entre les clouds, de l'entreprise vers le cloud, des clouds vers le cloud et du cloud vers l'entreprise. Troisième grande capacité, améliorer la sécurité, être en mesure de pouvoir fournir à l'entreprise des environnements sains, sécurisés, des environnements qui ont été vérifiés et que l'on peut restaurer en cas de problème. Quatrième grande capacité, une capacité d'orchestration et d'automatisation, c'est-à-dire pouvoir planifier, pouvoir orchestrer, pouvoir définir à l'avance des processus et les automatiser au travers de la machine. Cinquième et dernière grande capacité de la plateforme, la possibilité de visualiser les données où qu'elles soient. Elles sont partout, elles sont dans le cloud, elles sont sur les postes de travail, sur les serveurs, elles sont dans l'entreprise. Il est donc absolument nécessaire de pouvoir les monitorer, les piloter, connaître leur volume à un instant T et de pouvoir remédier si nécessaire. Cette capacité est essentielle si on veut pouvoir prendre la bonne décision au bon moment avec la bonne information. L'entreprise a besoin d'innover constamment, de se développer, de croître, de prendre de nouvelles parts de marché. Pour cela, elle va créer des nouveaux produits, elle va créer des nouveaux services, elle va utiliser massivement les données. Elle va donc collecter de plus en plus de données, les gérer et elle va bien entendu les exploiter, ces données. Les outils qui protégeaient et géraient les données auparavant ne peuvent plus être les mêmes. Les données se rafraîchissent différemment, les données proviennent de sources différentes, les données ont des statuts différents, ont des volumes différents. Il est donc impératif et nécessaire de moderniser la protection et la gestion de ces données dans le cloud. La crise sanitaire a mis beaucoup de pression sur les DSI. La norme est devenue le télétravail. Les usages n'ont pour autant pas changé. Les attentes des utilisateurs sont toujours les mêmes. Durant cette crise sanitaire, nous avons vu beaucoup d'entreprises revenir vers nous pour des conseils et pour les accompagner afin de relever les défis de la sécurité, de la protection et de la gestion des données dans le cloud. Et donc, grâce à Vim aujourd'hui, parce que nous avons su fournir les solutions logicielles appropriées, ces mêmes clients peuvent assurer la continuité d'activité, quelle que soit la situation. Si on regarde le futur, il est cloud hybride, il est automatisé, il est orchestré, il est nourri par le machine learning et l'intelligence artificielle. Il est hyper sécurisé avec des outils de sauvegarde et de restauration temps réel. C'est exactement cela que nous faisons chez Vim. Nous aidons nos clients à moderniser leurs solutions de protection et de gestion de leurs données dans le cloud.